Alors, il est 10h10 et j'ai mon petit truc chauffant sur les épaules parce que je suis complètement gelée. En même temps, j'ai encore passé une nuit de merde. Merci les chiens. Il faut pas arrêter de me réveiller. Il faut vraiment que je laisse mes cheveux. Hein. C'est une cata. Voilà. Ils font vachement plus jaune avec les éclairages. Hein. Ce matin, on a dû aller voter encore. On a dû y aller tôt parce que chérie avait foot après, donc je lui ai dit s'il faut un assesseur, c'est toi qui resteras, c'est pas moi. Hein. Et je lui disais, déjà c'est un enfer d'aller faire ça, parce que franchement nous la politique, on n'en a rien à foutre. Alors oui, il y en a qui disent que voter c'est important et tout, mais ça change quoi au final? On vote quand même des partis qui passent jamais, parce que c'est toujours les mêmes qui passent. Ils font rien pour aider les habitants de la région ou les Belges en soi, donc pourquoi voter quoi, voilà. Bon, après, chacun son point de vue là-dessus. Moi, je pense que ça ne sert strictement à rien, puisque je pense que c'est tout des carabistouilles et une histoire de pognon, comme partout, et voilà. Par contre, je dis, ils sont capables de claquer des milliers d'euros pour mettre des décos dans les rues, alors qu'il n'y a plus personne qui se promène dans les rues parce que personne ne se sent en sécurité, ben voilà, pour des conneries, mais ils ne sont pas foutus de nous offrir un pain au chocolat quand on va voter le dimanche matin. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Je pense qu'un petit pain au chocolat pour remercier les gens, enfin, après, ils devraient mettre ça sans aucune obligation, parce que je trouve ça complètement débile d'obliger les gens d'aller voter. Quand on s'y intéresse pas, nous on savait même pas les partis qui se présentaient. Bon, après c'est toujours les trois mêmes. Là il y en avait un autre, donc du coup moi j'ai voté pour l'autre. Parce que les autres ça change absolument rien. C'est toujours les mêmes qui passent de toute façon. Ici c'est le PS qui passe tout le temps. Donc voilà, voilà, on verra bien. Après je m'en fous, même les résultats je m'en fous. Hier il y avait la Starac, j'ai commencé à regarder la Starac, j'ai pas vu la dernière partie parce que bah, il fallait que j'aille me coucher, j'étais crevée. Ça fait des jours que je dors pas bien de nouveau là. Cette nuit Ryan a été malade, donc voilà, j'ai encore mal dormi. Là je vais achever ma petite quête sur mon jeu. D'ailleurs je vous affiche sur l'écran les infos. Je l'avais fait en story sur Insta, mais je ne sais, tout le monde ne suit pas sur Insta d'ici. Pour les geeks qui me suivent, voilà, les infos de mes pseudos, notre guild et notre serveur. Alors, no stress, hein, si vous n'êtes pas sur le même serveur, que vous jouez déjà, que vous n'êtes pas sur le même serveur, vous pouvez changer de serveur gratuitement. Vous allez dans la boutique et ils offrent, je crois que c'est une fois par mois, ils offrent un ticket gratuit de changement de serveur. Et ça transfère absolument tout, sauf vos ventes en enchères. Voilà, enfin, dans le truc d'enchère. Voilà, voilà. Après, on a une petite guilde qui monte bien. Enfin, les garçons pourront bien monter la guilde. Hein, parce qu'au départ, c'était juste. J'avais créé moi la guilde pour être tous les trois. Mais au final, ils jouent tous les deux de leur côté. Puis moi, je suis toute seule dans mon coin. Donc, voilà. Après, ça ne me dérange pas. Hein, mais c'est juste que moi, les donjons et tout ça, ben, j'ai pas les strats. Et je peux pas les faire toute seule. Donc, il faudrait que j'aille regarder des vidéos pour avoir les strats des boss. Et, enfin, c'est un peu chiant. Parce que sinon, on fait mourir tout le groupe et c'est pas sympa. Hier on a été manger un bout de gâteau chez mes beaux-parents pour l'anniversaire de mon beau-père. Après je suis passée un peu chez mon frère le plus jeune parce que j'avais pas vu les petits depuis très longtemps, très 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 longtemps. Et voilà, ça m'a fait du bien de les voir, de voir mon frère, ma belle-sœur, qui m'a fait écouter le cœur du bébé. C'était trop mignon, elle m'a montré la chambre de la petite et tout. Et de voir les grands, hein, puisque maintenant ils sont très grands. Ça m'a fait du bien de les voir. Voilà, voilà. Arrête. Demain, j'ai mon avant-dernière commande Temu, puisque du coup, j'ai recommandé le tapis de yoga, là, enfin, de sport, tapis de pilates, de yoga, enfin, tapis pour faire mon pilates. Là, je voulais le faire maintenant. Mais je suis trop froid, je suis trop fatiguée, ça va pas aller, j'aurais trop mal si je le fais maintenant. Je le ferai demain, comme j'ai kiné au soir, donc si jamais j'ai un peu mal, au moins elle pourra me décoincer quelque chose. Là je vais manger un bout, et puis aller me pioter.
Il doit rester des hamburgers. Faut que je regarde. Hier, chérie a fait des hamburgers quand on est rentré de chez ses parents. Donc, il doit rester ça. Je vais manger un hamburger. Et voilà. Tout simplement. C'est pas passionnant, hein, mais on est dimanche. Alors, déjà que le dimanche, je glande. Mais en plus, là, en étant crevé comme ça, je glande encore plus. Et hier, j'ai eu mal à la tête toute la journée. Migraine. Ça a commencé le vendredi quand on a été aux courses, on a été au champ. Et quand il a commencé à y avoir du monde, les gens ont commencé à m'énerver. J'ai chopé mal le crâne. Et il y avait une dame avec son gamin dans le caddie, dans la charrette, pour les amis français. Alors c'est bien de faire participer les gosses et tout. Il était calme, hein, et tout ça. Franchement, pas à se plaindre du gosse. C'est juste qu'elle, elle faisait pas attention. Elle faisait remplir... Elle faisait prendre au gamin, elle le laissait dans le caddie, elle bougeait le caddie pour qu'il prenne dans le rayon, qu'il aille peser les fruits et les légumes et tout ça. Alors c'est bien de faire participer les enfants et tout ça, mais elle gênait quoi. Elle prenait toute la place avec son caddie, elle se mettait devant tout sans faire attention qu'il y avait quelqu'un derrière qui voulait juste attraper un filet d'avocat. Voilà, je veux dire, si tu veux faire les courses en faisant participer le petit comme ça, viens à des heures où il y a moins de monde quoi. Voilà, mais bon, je trouve ça bien de faire participer les enfants, ça c'est pas un souci du tout. C'est juste qu'elle gênait avec son caddie là. Et en plus, comme les autres sont vraiment, ils ont aucun savoir-vivre, je me suis fait rentrer dedans par trois charrettes, en plus des bobonnes quoi. Bref, enfin, on y était le vendredi soir et pas le samedi, parce que le samedi j'ai envie de tuer quelqu'un à chaque fois que je vais au champ. Bref, voilà. Sinon, ben, c'est tout. Faut que je change mes plaids sur mon canapé. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas foutu grand chose encore une fois. J'ai vraiment froid, j'arrive pas à me réchauffer. Je suis assise sur mes mains et j'ai toujours les mains gelées. Ça me refroidit même le cul. J'aime pas avoir froid et là, ça commence à ce que j'ai tout le temps froid et c'est fatigant parce que ça me consomme tellement d'énergie d'essayer de me réchauffer que du coup, ben, je suis épuisée quoi, toute la sainte journée. Et voilà. Il y a quelqu'un qui vient de passer devant la fenêtre. Ouh, un papa et deux enfants. Ouh, on va aller en manger un. Ils sont cons. Ouais, je vous fais partager, hein, écoutez. Riley, c'est bon, c'est bon. Chut. Yuki. Tu gueules, tu sais même pas pourquoi, puisque tu vois pas par la fenêtre, t'es trop petit. Bah, tu vois encore moins par la porte, hein. Et normalement, je pense lundi ou mardi, je vais recevoir la palette Jolie Beauty. Donc, on fera pas ça dans ce vlog-ci, mais dans le prochain, on fera le swatch and make-up. J'ai trop hâte de la recevoir, elle a l'air tellement belle. Et puis, j'aimerais bien recevoir ma box, mais Louise aussi. Oh, wow. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent si avoir des douleurs ici, j'ai vraiment mal ici, et quand je baille, des fois quand je mâche et tout ça, ça me fait super mal. Si c'est une otite, parce que je pense que j'ai une otite. Ça me fait pas mal à l'intérieur de l'oreille, mais ça me fait mal ici, dans le conduit auditif. Donc je me demande si j'ai pas une otite. Et que c'est pour ça que je ne serais pas super en forme, vous voyez. Donc je ne sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Et voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là, je vais aller voir ce que je peux manger. Ah ben les hamburgers, je viens de vous dire, je suis con. Et après, aller me foutre sous ma couette bien au chaud et dormir. Ça, c'est un bon programme, je trouve. Aïe, 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 aïe. Puis il prend toute la place. Il rit kiki, mais il prend toute la place. Il me pousse pour prendre la place de mes mains. Bon, allez, sur ce, nous, on suit le jour et puis on verra demain ce qu'on peut blablater. Ouais. Il est 10h15. Car, alors j'ai déjà enlevé ma montre, puisqu'après je vais à la douche. Je viens de recevoir ma palette Jolie Beauty. Donc, on va la découvrir ensemble. Mais le swatch and make-up, ça sera pour samedi. Voilà. Et j'ai reçu ma dernière commande Temu. Du coup, je vais pas attendre pour vous filmer le haul. Je le ferai pour je ne sais pas quand. Et...
Parce que j'avais recommandé un tapis de Pilates de 1 cm et ils peuvent pas me l'envoyer. Donc ils m'ont remboursé avec 5 euros de dédommagement. Mais je sais pas pourquoi ils peuvent pas me le livrer. Donc elle est comme ça. Donc emballée dans un carton avec du papier cartonné là pour protéger, plus le papier bulle. Rien que le packaging, il est trop beau. Une de plus dans ma collection. Vous savez à quel point je suis fan de ces palettes. C'est vraiment les palettes que je préfère en qualité, en univers et tout ça. J'adore cette marque de palettes. Les rouges à lèvres, je les aime pas, mais j'adore les palettes. Oh, c'est trop beau. J'adore. Donc là, on part dans un univers, encore une fois, un peu magique. Donc vous avez la jaquette de protection. J'arrive pas à sortir la palette. J'ai nouveau une tendinite, donc mes doigts font un peu n'importe nawak. Bon, je vais pas vous remontrer la pochette. Donc toujours le grand miroir. Voilà, vous voyez tout mon bordel. Without darkness, there is no light. Donc sans les ténèbres, il n'y a pas de lumière. Et c'est totalement ça. Alors attendez, je vais la plier entièrement. Il y a toujours 2, 4, 6, 7, 14, 21, 28 phares. Les lumineux de cette marque sont incroyables. Les mattes sont incroyables. Et oh là là, elle est encore plus belle en vrai que sur les photos. Et là, vous avez clairement de quoi faire à chaque fois un make-up par colonne comme ça. Ça saute aux yeux. Bon, après, vous pouvez switcher, hein. Mais ça saute aux yeux que comme ça, ils vont. Bon, les quatre ici, par exemple, vont bien ensemble. Ici aussi, si vous voulez faire un truc un peu plus nude. Mais clairement, par colonne, vous savez faire un make-up, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, les lumineux, j'ai trop hâte de mettre mes doigts dedans. Regardez le manifeste ici. Je sais pas si vous allez voir celui-ci. Le fire, le lightwork là. Oh là 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 là. Donc voilà, les noms sont toujours en rapport avec avec le thème de la palette. Il y a White Magic, Diabolique, Jinx, Ouija, Divination, Spiritual, Cristal, Prospérité, Rune, Protection, Vaudou, Dark Magic, enfin voilà. Nécromancie. Oh là là, ils sont trop beaux. J'ai trop hâte. Oh, et j'ai un chien sur les genoux. Oh, j'ai trop hâte. Suis trop contente. J'adore ces palettes à cette fille-là. Elle est incroyable. Donc voilà, on testera ça dans le prochain vlog. Là, le vlog sera encore une fois pas bien long. Là, je viens de faire, j'ai pas arrêté ce matin. Je suis réveillée depuis 5 heures. C'est Ryan qui m'a réveillée encore. Je ne sais pas ce qu'il a à me réveiller tous les jours à 5 heures là, en ce moment, entre 5 heures et 5 h 30. Et en plus, j'ai été couchée tard parce que j'ai joué avec les garçons et la guilde. Donc voilà. Attendez, je jette mon petit parapluie. Et ça me vient de rentrer puisque finalement, il n'a pas cours puisque sa prof n'est pas là. Donc il s'est levé pour rien, il a été à l'école pour rien, puisqu'il n'a pas eu cours. Voilà, ça arrive très souvent dans cette école-là. Depuis la rentrée, il n'a pas eu beaucoup cours, hein. Donc là, j'ai rangé ma cuisine, j'ai remis en ordre mon canapé. Ça fait déjà 3 fois, hein, depuis ce matin. J'ai fait mon pilates, mais alors j'ai pas tenu les 20 minutes, hein. J'ai tenu 10 minutes à tout casser. Elle a fait travailler les abdos et elle voulait encore continuer à faire des abdos. Et là, je pouvais plus. J'avais trop mal les abdos. Donc voilà, je force pas quand j'ai trop mal. Je commence à avoir mal le dos et la nuque. Et demain, j'ai une séance d'1 heure. Donc je ne vais pas forcer aujourd'hui. Là, j'ai la kiné ce soir. Il y avait un truc que je voulais vous dire, mais je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Bon, c'est que c'était pas important, comme dirait l'autre. Voilà.
Donc sur ce, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Le vlog sera vraiment, vraiment, vraiment pas passionnant, encore une fois. Donc la semaine prochaine, on fera samedi, on fera le swatch make-up de la palette. Et je pense que mercredi, on fera le bricolage, du coup, le carrosse, là, parce que je voulais le faire pour ce vlog-ci, mais là, j'aurais pas le temps. Et voilà. Je ne sais pas trop comment va évoluer ma journée. Là, je vais aller à la douche, et puis après, je pense que je vais être complètement KO. Alors, je me suis réveillée, j'avais la dalle, quelque chose de faramineux, mais je me suis dit, je vais d'abord faire le pilates avant de manger. Et finalement, ben, j'ai pas encore mangé. Voilà. Donc j'ai faim depuis, on va dire, 6h du matin. Il est 10h30 et j'ai pas mangé. Mais j'ai plus faim, hein, c'est passé. Voilà. Mais bon. En même temps que tout le café que j'ai dans le coco, encore une fois. Je suis sûr, on me fait une prise de sang maintenant. C'est du café qui sort de mes veines. Je me suis occupé un petit peu des titis aussi, les chichous qui m'ont demandé à sortir, mais aujourd'hui c'est juste pas possible. Surtout que Riley, elle est déjà déchaînée. Depuis qu'on est réveillé, là, elle arrête pas de foutre le bordel et de gueuler. Alors j'ai pas envie qu'elle gueule en plus après les chichous. Elle attaque aussi. Du coup, j'ai un canapé, je suis dessus. Bref. Et voilà. Oh oui, j'ai fait une vente Vinted hier. Oui, c'est hier. J'ai vendu quelques moules en silicone. Impossible d'imprimer le bordereau d'envoi jusqu'à là, il y a 15 minutes. Ça me marquait qu'il ne savait pas m'imprimer, enfin, me donner le bordereau de livraison. Mais j'ai essayé quoi encore ce bordel? Puis à force d'insister, 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 c'est bon. Et ma box Pélouise n'a toujours pas été envoyée, donc j'espère bien qu'elle va partir aujourd'hui parce que là, ça commence à faire très long. Surtout que j'ai hâte d'avoir la prochaine, parce qu'il y a une palette. Alors, il y a deux palettes, ils mettent deux palettes. Les deux sont canons, mais il y en a une des deux que je voudrais plus que l'autre. On verra. Ma foi, je serais contente avec n'importe laquelle des deux. Mais c'est vrai que la grise avec le château en couverture, là. Et finalement, Manon m'a dit qu'ils avaient sorti le spoil du calendrier de l'Avent sur leur chaîne. D'ailleurs, c'est la seule vidéo qu'il y a. Alors qu'il y en avait d'autres, il me semble. Bref. Et du coup, j'ai été voir. Je lui ai dit non, je ne regarderai pas, je veux garder la surprise. Et du coup, j'ai été voir. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai juste cliqué étape, enfin, plusieurs trucs, quoi. Comme ça, j'ai vu grosso merdo, mais sans avoir tous les détails. Et il a l'air vraiment pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Donc, on verra bien ce que ça donne. Il y aura pas mal de trucs pour vous, quand même, mine de rien. Parce que bon, tout ce qui est crème et liquide, moi j'ai déjà pas gardé, donc voilà. Enfin, maquillage, crème et liquide. Hein. Donc voilà. Bon, sur ce, non, Riley, pas maintenant, je vais aller à la douche. Ou alors je la fais sortir avant d'aller à la douche, parce que sinon, elle... Bah non, elle veut juste aller dans la buanderie fouiller dans les cartons pour choper les rouleaux de PQ. Elle adore manger le carton du milieu des rouleaux de PQ, là. Ah, le manger. Oui, si, elle le mange parce que je ramasse pas toujours des bouts. Enfin bref. Bon, allez, sur ce, nous, on switch de jour.
Alors, il est 13h15 et je viens de réveiller la sieste. C'est du n'importe quoi. Je les ai pas coiffés, je les ai pas lissés, rien. Ils sont tout. Voilà quoi. Voilà. Ce matin, j'ai fait sortir les chichous comme vous avez pu le voir. C'est extrêmement fatigant avec Riley parce qu'elle fait que gueuler et puis foutre le bordel et puis essayer de choper les chichous. Et Gougou qui vient la faire chier près de la grille pour la narguer. Et puis avant, c'était petit moment câlin le matin avec Ryan. C'est Ryan qui est là. Mon propre, ils sont. Arrêtez! Attendez! Chut! Pensez! Riley! Oh. Et donc voilà, ce soir j'ai pilates, après j'ai pas pendant 15 jours vu que c'est les congés scolaires, donc j'ai hâte de voir, et ma box Pélouise a toujours pas été envoyée, donc si j'ai pas de mail demain, j'enverrai un message le soir, un mail pour voir un peu où ce que ça en est, parce qu'il me semblait avoir vu qu'il les envoyait le 11, donc je me suis dit le 13 parce que c'est le matin, enfin c'est le lundi. Et là, on est déjà mardi, elles sont toujours pas parties. On est le 15 aujourd'hui, c'est ça? Ouais, peut-être aujourd'hui, alors je sais pas. Mais... je discutais avec Manon, je comprends pas le principe de faire la box, d'envoyer la box, puisque là, je vais recevoir celle de septembre. On est mi-octobre, elle a toujours pas été envoyée. Pourquoi c'est pas box d'octobre, quoi, vous voyez? Ou alors... il devrait décaler les mois ou alors l'envoyer le mois même. Enfin, là, ça devrait être la box d'octobre, vous voyez, voire limite novembre, vu la date où je vais la recevoir. Mais je disais, alors du coup, si pour celle de décembre, il y a des trucs spéciaux pour Noël, ben, je les aurai qu'en janvier. Chelou. À moins qu'ils mettent le contenu de décembre dans celle de novembre. Je ne sais pas. Mais là, ils ont déjà spoilé la prochaine box, alors que j'ai pas encore reçu donc celle d'octobre, je sais déjà ce qu'il va y avoir dedans, mais j'ai pas encore reçu celle de septembre. Je sais aussi ce qu'il va y avoir dedans, puisque maintenant je regarde les spoils, puisque la surprise repassera, puisque faut attendre tellement longtemps. Voilà, je trouve ça un peu bizarre que ce soit en décalé comme ça et qu'on les ait si tard. Bref, après, le principal c'est de les recevoir, hein, vous me direz. Donc voilà, j'ai hâte de la recevoir. J'ai surtout hâte de recevoir celle d'octobre parce que j'espère vraiment avoir la palette que je veux dedans. Même si les deux sont très belles, je veux vraiment la grise. Bon, après, elles seront vendues, hein. Mais bon, ça sera pas le même prix. J'aurai pour plus cher de la palette que la box complète. Donc c'est un peu con. Donc espérons que pour une fois j'ai de la chance. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Dans le prochain, on fera le. Swatch and Makeup de la palette Joli Beauty. Et on traitera mes accessoires cheveux. Voilà, je pensais le faire dans ce vlog-ci. Et puis j'ai oublié. Donc, on le fera dans le prochain. Voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser des commentaires. Et ben moi, j'ai plus qu'à vous dire bisous.